Quatre battants pavillons congolais et des retours sur ces terres congolaises après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cette aéronefs présidentielle, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréé de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashs au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les directeurs de cabinet Gulen Nyembo avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ce bien de l'État sabordé. Remis à neuf par les fabricants avec deux nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles atterrit à l'aéroport de Ndjili sous le regard admirateur du directeur de cabinet, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté pour un pays. Je pense que ça, c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef de l'État est en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau. Et je pense qu'il était de notre devoir pour ce qui nous concernait. À partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer, dans ce cadre-là, il était, comme j'ai dit, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Et ça, c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour l'extérieur de notre pays. Un avion retenu à l'étranger, je pense que ça ne fait pas très joli. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde et à ce jour, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Il vient renforcer la flotte aérienne de l'État congolais pour l'itinérance en province et partout.